Saint-Louis du Sénégal pourrait avoir le destin de belles endormies, des anciennes capitales supplantées. Pourtant, elle rayonne aujourd'hui encore par sa richesse culturelle. On pense immédiatement à sa beauté architecturale ou à son festival de jazz d'ampleur internationale. Mais cette cité qui n'a jamais cessé d'inspirer les auteurs français comme Pierre Loti, Sylvain Sankalé, Sylvie Argondico ou sénégalais comme Ousmane Sossé, Abdoulaye Sadji ou Malik Fall, reste un foyer littéraire actif et fécond. Dans l'effervescence créatrice contemporaine de Saint-Louis du Sénégal se détache la figure de Louis Camara. Ce véritable Saint-Louisien, né en 1950, s'illustre d'abord dans l'enseignement du français et de la littérature. En 1996, il passe de l'autre côté du miroir avec le choix de Laurie, qui remporte le grand prix du président de la République pour les lettres. Par la suite, il commet dans plusieurs genres comme la nouvelle. Très naturellement, son œuvre accorde une place importante à la ville de Saint-Louis, qui lui inspire aussi bien un recueil, Il pleut sur Saint-Louis, qu'un conte, La fille de Mame Kumbabang, ou un ouvrage d'art, Saint-Louis, capitale de légende. Tout cela fait que Louis Camara peut être qualifié de mémoire vive de Saint-Louis. Bonsoir, monsieur Camara. Bonsoir, jeune homme. Comment va Saint-Louis ? Saint-Louis rêve. Saint-Louis vogue sur le fleuve infini du temps. Jeune homme. Au revoir. Au revoir. Louis Camara, pouvez-vous rapidement nous présenter les lieux où nous sommes en ce moment ? Sur la rue Blaise Diagne. Mm-hmm. Blaise Diagne est un ancien député du Sénégal, un des premiers députés noirs du Sénégal. Et donc cette rue porte son nom et nous nous trouvons exactement à la terrasse du deuxième étage, du troisième étage de l'hôtel de la Résidence, qui est un des tout premiers réceptifs hôteliers de Saint-Louis. Hôtel, je crois, est un peu mythique parce qu'il a accueilli des tournages, il participe quand même du rayonnement culturel de Saint-Louis. Ah oui, complètement. C'est un hôtel, c'est vrai, qui a une certaine aura du point de vue historique, mais sur le plan culturel aussi, il joue vraiment un rôle important. Son propriétaire et promoteur, M. Jean-Jacques Bancal, est un Saint-Louisien bontain et très engagé dans tout ce qui se fait sur le plan culturel. Quels sont vos lieux préférés dans Saint-Louis ? Ben, j'aime tous les lieux. J'aime vraiment tous les endroits. Tous les jours, je passe mon temps à flâner dans la ville, à me promener. D'autant plus que maintenant, je suis à la retraite. Donc voilà, j'en profite. Et je fais beaucoup de promenades. J'ai quelques endroits fétiches peut-être. Par exemple, j'aime bien souvent me mettre près de la grue du Nord. D'accord. Il y a un petit coin très agréable, ombragé, où j'aime bien aller avec un livre parfois. D'accord. Me ressourcer un petit peu. J'aime bien me promener aux deux extrémités de l'île, à la pointe sud et à la pointe nord, et puis regarder le large parce qu'il y a des bancs. Donc j'aime bien regarder le côté nord parce que le fleuve vient par là. Et nous avons la Mauritanie juste en face, donc parfois il m'arrive de rester assez longtemps là, hein, à regarder le large. Alors est-ce que vous croyez qu'on peut dire qu'il y a une identité saint-louisienne ? Si oui, comme on parle d'une identité parisienne, je ne sais pas, new-yorkaise, mm-hmm. Et si oui, quelles en sont évidemment les caractéristiques ? Je pense que, à mon avis, il y a quand même une identité saint-louisienne, même si parfois elle est un peu contestée actuellement au Sénégal. Parce que Saint-Louis est une ville qui a quand même une histoire assez riche. C'est la première ville au sud du Sahara, la première ville moderne. Hein. Elle a déjà 350 ans d'âge, ce qui n'est pas mal. Bien sûr. Et une véritable identité s'est formée dans la mesure où il y a eu un brassage de cultures différentes. Il y a la culture noire africaine qui est là, autochtone, qui est toujours présente, bien sûr. Il y a la culture arabo-berbère, musulmane, qui vient de Mauritanie, par les berbères Sanadja qui ont apporté l'islam ici. Et puis, il est venu se superposer à cela, la culture occidentale, judéo-chrétienne.
Donc tout ça s'est mélangé et je pense a donné un type particulier qu'on peut appeler le Saint-Louisien. Saint-Louis, c'est une histoire de, à mon avis, c'est une histoire de métissage. C'est une grande histoire d'amour entre des cultures très différentes. Quand on voit Comme ça. le pont Fédère qui est au large, on peut, et avec ce que vous venez de dire finalement du melting pot de Saint-Louis, c'est la première New York presque. On dirait ça. Alors, de fait, si vous vous considérez, est-ce que vous vous considérez d'abord comme un Saint-Louisien ou d'abord comme un Sénégalais? Comment Saint-Louisien Ah oui, c'est votre d'abord? identité Et je avant me dis, d'être Sénégalais. parce que Saint-Louis a préexisté À l'idée de Sénégal. à l'idée de Sénégal. Hein. Pour moi, Saint-Louis, c'est une entité à part, c'est un tout. Je le dis sans aucune forfanterie. Hein. Ceci dit, bon, maintenant, c'est une ville qui fait partie de Du l'État, Sénégal, oui. de la nation sénégalaise, donc on ne peut pas aussi se retrancher de l'ensemble, mais il y a quand même. Je dirais, nous avons quand même une caractéristique particulière qui est celle d'être à l'origine de beaucoup de choses, je dirais même de l'histoire moderne du Sénégal. Saint-Louis D'accord. est à l'origine de cette histoire. Tous les cadres, les premiers cadres sénégalais ont été à l'école Formé à Saint-Louisienne, ont Saint-Louis, été bien sûr. formés. Les premières écoles, elles ont été à Saint-Louis, même, disons, sur un autre plan, sur le plan. Religieux, islamique par exemple, où le Sénégal se targue d'être quand même un pays très musulman, eh bien, les premières médersas aussi ont été établies à Saint-Louis, les premières écoles françaises ont été établies à Saint-Louis. Donc il y a quand même des Une choses qui identité. s'originent D'accord. et qui donnent une identité à Saint-Louis. Forte à Saint-Louis. Et alors, vous qui excellez dans vos nouvelles à saisir les travers humains, si vous deviez tracer quelques caractéristiques morales, psychologiques de l'esprit saint-louisien, qu'est-ce que vous feriez prévaloir? Qu'est-ce que c'est un saint-louisien type? C'est quelqu'un qui a un grand esprit d'ouverture, mais qui est en même temps très enraciné dans sa culture et ses origines. Donc, enracinement et ouverture, c'est vraiment, à mon avis, la caractéristique du vrai Saint-Louisien. C'est quelqu'un qui est proche de sa culture africaine, qui sait vraiment qui la porte fièrement et qui sait la vivre. Et qui en même temps qui est très ouvert sur le monde, n'est-ce pas? Nous avons cette belle langue française aussi qui est devenue notre langue. Hein. Et il y a un parler saint-louisien. Un parler saint-louisien, Alors on dit justement, que. en quoi il consiste ce parler Alors, saint-louisien? il y a un parler saint-louisien wolof, hein, parce que le wolof est la langue la plus répandue au Sénégal, vous le savez, même si ce n'est que la langue d'une ethnie, c'est devenu une sorte de lingua franca. Et les Saint-Louisiens ont une manière particulière de le parler en y mêlant des accents et des tonalités françaises. Hein. D'ailleurs, dans le temps, les Saint-Louisiens, on les appelait curieusement les Canadiens. Les Canadiens, Oui, c'est une oui. appellation assez curieuse. Oui, on Mais qui les renvoie à appelait. la question de la francophonie quelque Ce qui part. rend, voilà, qui nous fait rebondir sur la question de la francophonie. Moi, je pense que Saint-Louis est une place forte de la francophonie. D'accord. Et que il y a quand même quelque chose qui rattache cette ville à l'histoire, à l'histoire des relations entre la France et le Sénégal. D'accord, très bien. Alors, dans un très beau documentaire sur cette cité, je crois que c'était un documentaire de Georges Courrèges, qui s'appelait Saint-Louis du Sénégal, cité coloniale. Je ne sais plus si c'est le narrateur ou un ancien maire de Saint-Louis, mais je crois que c'est le narrateur qui a dit que, en gros, le charme de Saint-Louis, c'est que cette ville n'a pas bougé depuis le 19e siècle. Est-ce que vous partagez cette opinion? Oui et non. C'est la réponse du Normand. D'accord. Je dis oui parce que c'est vrai que quand on se promène dans les rues de Saint-Louis et qu'on voit cette architecture, on sent bien que c'est une architecture ancienne, n'est-ce pas? C'est beaucoup de bâtiments datent du 19e siècle, voire même d'avant. Le tracé des rues a été fait par le général Federbe lui-même au milieu du 19e siècle. Donc, il y a quelque chose, une certaine permanence de l'histoire au niveau de Saint-Louis. Mais non aussi parce que la ville a évolué quand même. Hein. Il y a eu de nouveaux quartiers, parce que Saint-Louis ne se limite pas à Lille. Hein. Lille est le cœur historique Voilà. de la ville, mais il y a des quartiers périphériques. Il y a le quartier de Sort qui a beaucoup évolué, qui s'est agrandi, qui s'est modernisé. Il y a le quartier de la langue Non, de de Barbarie barbarie. qui est plus traditionnel.
Mais ce sont des quartiers qui ont explosé sur le plan démographique. Et aussi, disons que la ville s'est modernisée d'une manière globale. Hein. Même si ça n'a pas été au rythme de celui de Dakar, par exemple, il y a quand même une certaine évolution. Bon, ceci dit aussi, je pense qu'il ne faut pas se regarder le nombril. Il y a énormément de problèmes à Saint-Louis. Il y a des problèmes de gestion, il y a des problèmes de salubrité, il y a des problèmes de communication. Saint-Louis est une ville qui est devenue un petit peu difficile d'accès, n'est-ce pas? On a l'impression même un petit peu oubliée. C'est ce qui donne peut-être ce caractère un petit peu désuet à la ville, n'est-ce pas? On a l'impression que le temps a suspendu son vol à Saint-Louis. Les Sako, comme la plupart des familles de ce quartier, au sud de l'île de Ndar, ou Saint-Donné dans le jargon local, habitaient dans une vieille maison coloniale, fatiguée par le poids des ans, mais aussi par l'humidité et la salinité de l'air marin, qui rongeait impitoyablement tous les bâtiments de l'île. Les maisons de Saint-Donné étaient particulièrement vétustes, sans doute parce qu'elles se situaient dans le plus ancien quartier de l'île, et certaines étaient même si décrépites qu'elles donnaient l'impression d'être sorties tout droit de l'époque des Signards. Néanmoins, elles tenaient bon, car leurs murs en briques rouges étaient d'une épaisseur peu commune et faits pour durer des siècles. Lorsque l'on gravissait les marches de l'escalier en bois, qui menait à l'étage de la maison du père Sako, on avait l'impression que toute la maison dansait et cela donnait un peu froid dans le dos. Pourtant, c'était une très belle demeure qui portait, certes la marque du temps, mais qui avait conservé tout le charme, l'élégance et la patine des vieilles maisons coloniales. Avec leur petite véranda intérieure et leur voûte cintrée, soutenue par de solides colonnes en briques rouges enrobées de béton, la maison du vieux Sako, avec son joli petit balcon en fer forgé et torsadé, ce qui le distinguait des autres généralement en bois, était sans aucun doute toute l'une des plus originales et des plus authentiques de tout le quartier de Saint-Donné. Également l'une des plus solides, bien qu'à l'instar de toutes celles qui l'entouraient, elle présenta un nombre impressionnant de lézards et de fissures que le maître des lieux s'empressait de faire colmater chaque fois qu'elle tombait sous son œil vigilant. Il l'avait rachetée à une vieille mulâtresse, descendante d'une signarde, qui, voulant finir ses jours en France, la lui avait cédé à un prix plus que raisonnable. Le père Sako était très fier de sa maison, qui, en effet, était un véritable petit bijou. Bon, vous avez vous-même écrit un livre d'art sur Saint-Louis, des livres de référence sur cette ville. À quel projet répondait la rédaction d'un tel ouvrage? Est-ce que c'était une simple géographie de la ville ou est-ce qu'il y avait un autre projet? Non, à vrai dire, il n'y avait pas de projet. En ce qui me concerne, c'était juste une hagiographie. Le producteur de cet ouvrage, enfin, c'est le photographe, M. Renaud, est venu me demander gentiment si je pouvais collaborer à la confection de cet ouvrage, parce qu'on lui avait soufflé mon nom comme possible rédacteur. D'accord. Et donc j'ai rédigé les petits textes qui accompagnent les images. D'accord. Bon, en fait, il n'y avait pas dans mon esprit un projet à long terme. Bon, je me disais que quelque part, ça servirait à quelque chose, ça servirait en tout cas à présenter la ville. Et voilà, donc j'ai fait du mieux que je pouvais. Donc c'est plutôt un projet qui est venu vers vous que vous vers ce projet. En fait, c'est ça. Le projet est vraiment venu vers moi. Et je crois que vous attendez une carte postale d'ailleurs du rédacteur du livre qui a un peu oublié votre collaboration. Bon, ça doit être un problème de mémoire momentanée. Selon vous, quel rapport entretiennent Dakar et Saint-Louis aujourd'hui? Aujourd'hui, des rapports assez distants. Saint-Louis, c'est le cas de le dire, il y a presque 300 km entre les deux villes. Bon. Mais je veux dire que Dakar est aujourd'hui devenue une grande métropole hein, qui s'est développée. Il y a un torchon, je crois. Il parlait d'un torchon. Peut-être, oui, pour être un petit peu... imagé. Voilà, imagé, disons. Et Saint-Louis est resté un peu en retrait de ce mouvement. Donc, la rivalité qui a un moment existé entre Dakar et Saint-Louis s'est complètement estompée. D'accord. Aujourd'hui, Saint-Louis est devenu plutôt une ville-musée. Alors que Dakar est une ville en pleine expansion, il faudrait que Saint-Louis puisse rattraper le mouvement pour que les deux villes retrouvent un petit peu une même cadence. D'accord. Mm-hmm. Mais est-ce que pour vous, bon, on parlait tout à l'heure comme ça de ce Saint-Louis, effectivement, ville dite musée, avec parfois un soupçon de connotation péjorative, mais est-ce que vous qui êtes un vrai Saint-Louisien, vous vous sentez encore bien dans cette ville qui a été la ville de votre enfance? Est-ce que l'ambiance, à défaut de l'architecture, y a changé? Comment les choses se passent?
Je m'y sens toujours bien. Saint-Louis a gardé son charme, sa poésie. Il a une qualité de vie certaine, il n'y a pas trop de pollution. Ma foi, on y mange assez bien puisque nous avons beaucoup de poissons, poissons d'eau douce et du poisson de mer. La vie est relativement douce à Saint-Louis, mais il faut quand même reconnaître que les conditions économiques se sont bien dégradées. Et donc, il est quand même devenu un peu plus difficile de, comme on dit chez nous, faire bouillir la marmite. Le taux de chômage est très élevé ici au niveau de la jeunesse. Donc, bref, tout ça, ça ne contribue pas à rendre la ville très, très attractive aussi et d'accord. très intéressante. Donc, je pense qu'il y a des efforts à faire de réaménagement pour que cette ville devienne vraiment une destination de choix. D'accord. De choix. Oui. Quand on lit « Il pleut sur Saint-Louis », on remarque que vous écrivez toujours, vous parlez toujours du pays comme le Sunugal et non le Sénégal. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce mot et qu'est-ce que ça signifie dans votre œuvre? C'est une petite clause de style. En fait, j'ai repris simplement j'ai un peu gauchi le mot, enfin, ou du moins, je lui ai redonné un sens qu'il a dans la langue originelle, qui est le Wolof, parce que pour la petite histoire, on dit que lorsque les premiers marins français sont arrivés au large des côtes sénégalaises, ils ont rencontré des piroguiers et qu'ils leur auraient demandé quelle était cette terre sur laquelle ils se trouvaient. Et alors, les piroguiers, ne comprenant pas le français, pensaient qu'ils leur parlaient de leur pirogue. D'accord. Et ils leur ont répondu « Sunugal ». Sunugal qui signifie littéralement en Wolof « notre bateau, notre pirogue ». Notre bateau, notre pirogue, d'accord. Voilà, exactement, c'est la traduction mot à mot. C'est « Sunugal » signifie « notre pirogue ». Alors, je comprends mieux pourquoi, maintenant, vous avez aussi parlé du Sénégal comme d'un bateau ivre. Vous renvoyez à la métaphore fluviale maritime. Voilà, d'accord. Exactement. Ceci explique cela. Voilà. Et en même temps, c'est une manière aussi de faire cohabiter les langues aussi. Hein, d'accord. Parce qu'il y a la langue Wolof qui est la langue majoritairement parlée dans l'espace saint-louisien, qui est aussi un élément culturel intéressant. Donc, j'ai trouvé que c'est... Bon, sans vouloir faire de l'exotisme, hein, évidemment, mais jouer comme ça sur les mots, c'est assez intéressant. Il y a une certaine intertextualité qu'on peut faire jouer et qui enrichit, ma foi, la littérature française. D'accord, très bien. Alors, je voudrais aussi savoir, puisque donc on s'est intéressé dans cet entretien à vos origines saint-louisiennes, au rapport affectif que vous pouviez avoir avec Saint-Louis, la part d'autobiographie qu'on peut trouver dans un recueil « Comme il pleut sur Saint-Louis ». Ces nouvelles, tantôt conduites par un narrateur à la première personne, tantôt conduites par un narrateur à la troisième personne, elles semblent quand même tirer non seulement de votre observation, mais même mieux de votre expérience personnelle. Est-ce que c'est le cas? Tout à fait. Je ne pourrais pas quantifier exactement la part d'autobiographie qu'il y a dans ces nouvelles, parce qu'il y a toute cette part inconsciente de l'écriture qui est à l'œuvre, bien sûr. Mais je peux vous dire qu'effectivement, je me suis souvent pris comme sujet d'observation, comme cobaye, n'est-ce d'accord. pas pour, à travers ma personne, pouvoir porter un regard sur mes contemporains, mes concitoyens et ma société. Je suis complètement dans la société. Donc, je me prends beaucoup comme sujet de mes nouvelles. Bien sûr, la fiction... venant à mon secours, je peux voilà. Voilà, ça forme basculer sur... voilà. D'accord. Mais vous avez raison, on peut me retrouver dans ces nouvelles. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour, jeune homme. Comment s'écrit Saint-Louis? Saint-Louis, il s'écrit au passé, bien sûr, au présent, mais surtout au futur et en très belle calligraphie. Merci. Quel est votre lien à ce lieu? Mon lien à ce lieu est très fort. C'est un lien historique et affectif à la fois, parce que j'ai commencé à découvrir la littérature ici, dans cette bibliothèque, qui est ouverte, soit dit en passant, pour la petite histoire ou la grande, depuis 1965. Et donc, à l'époque, j'étais potache, j'étais au lycée, et je fais partie des premiers inscrits de cette bibliothèque. Et vu que je ne suis pas un grand voyageur, je n'ai pas beaucoup bougé de ma ville, c'est un lieu où je reviens tout le temps et où j'aime bien me ressourcer.
Et donc, comme je vous le disais, mes premiers pas dans la littérature, je les ai faits ici. Alors, vous nous dites que vous n'êtes pas un grand voyageur, mais est-ce qu'on voyage dans une bibliothèque? Quel voyage on fait dans une bibliothèque? Alors, justement, c'est là tout l'intérêt, c'est que n'étant pas un très grand voyageur dans l'espace, je dirais l'espace géographique, je le suis par contre, dans l'imagination, dans l'imaginaire, et la bibliothèque, les livres permettent de voyager, tout le monde le sait, évidemment. Et chaque fois que je rentre ici, je me dis que j'ai le monde à ma disposition. Il y a une émotion à chaque fois? Oui, qui peut-être, ma foi, s'est diluée un peu avec le temps, mais que je retrouve à chaque fois que je rentre ici. Parce que c'est aussi un lieu... Pour moi, une bibliothèque, c'est presque un sanctuaire, c'est un temple aussi. Hein. Et donc, il y a lieu d'être très dans soi-même, très concentré quand on y est. Alors, vous nous avez rappelé, quand on a évoqué cette bibliothèque, que vous l'avez d'abord connue comme potache, c'est le mot que vous avez employé, c'est-à-dire comme élève, peut-être même étudiant. Et en même temps, vous êtes rentré en écriture, si on peut dire ça, assez tardivement. Est-ce que c'est lié à un événement particulier, votre entrée en écriture, et cet aspect tardif, sans que le mot soit péjoratif? Oui, tardif, il faut peut-être relativiser. Hein. Je veux dire qu'entrer en écriture, je n'ai jamais vraiment cessé d'écrire. J'ai toujours griffonné, comme tout le monde, hein, comme nous tous. Nous écrivons des lettres, nous écrivons des poèmes, etc. Mais disons, mon entrée en écriture de manière, entre guillemets, officielle, c'est-à-dire en tant qu'auteur, c'est vrai qu'elle est liée à un événement, à une rencontre. En fait, c'est une découverte que j'ai faite qui m'a lancé sur le chemin de l'écriture. La découverte de textes africains, de poésie, d'une poésie sacrée d'un peuple africain qui m'a vraiment inspiré et qui m'a motivé à écrire. Alors, quel était ce peuple? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que, bon, quand on pense à la littérature et à l'Afrique, on pense tout de suite à l'oralité et on ne sait pas vraiment quelles sont les origines de la littérature africaine, écrite, etc. Quelle était cette littérature africaine qui vous a influencé? Cette littérature africaine qui m'a influencé, effectivement, et qui est liée à l'oralité, parce qu'en Afrique, l'écriture est venue très tardivement, il n'empêche que la littérature existait quand même sous sa forme parlée, orale. Alors, cette littérature orale, c'est la littérature Yoruba. Les Yoruba sont un peuple qui vit sur la côte du golfe de Guinée, qui a pour triste mémoire aussi le nom de côte des esclaves, parce que beaucoup d'esclaves ont été embarqués à partir de là. Et donc, ils habitent sur cette côte du golfe les deux pays qui s'appellent aujourd'hui le Bénin et le Nigeria. Donc, c'est là que se trouve... l'essentiel du peuple Yoruba, mais il y a une diaspora Yoruba aussi, parce que pendant la traite des esclaves, justement, il y a eu vraiment beaucoup d'esclaves, beaucoup de déportations chez ce peuple. Pendant tout le 19e siècle, les Yoruba ont été transplantés à Cuba, principalement, et au Brésil, où aujourd'hui leurs descendants vivent encore et constituent l'essentiel de la population noire du Brésil et de Cuba, et où les traditions et les rituels et que ça sont encore présents. D'accord. Alors ça, c'est une précision sur l'origine de votre vocation, si on peut dire, d'écrivain. Une origine donc vraiment africaine, très localisée. Et en même temps, quand nous allons discuter, vous m'avez dit que vous appréciez, entre autres auteurs, parce que vous n'avez pas d'auteur favori, c'est une chose que vous avez tenu à bien préciser, que vous appréciez en particulier un auteur comme Flaubert. Qu'est-ce que vous aimez chez un auteur comme Flaubert? À quoi vous êtes sensible? Alors, c'est très curieux, ce que j'ai aimé chez Flaubert, c'est peut-être pas ce que tout le monde aime chez lui, parce que le premier est, je ne dirais pas le seul roman que j'ai lu de Flaubert, parce que j'ai lu aussi Le Rouge et le Noir, mais je n'ai pas, Madame Bovary, pardon, je n'ai pas trop été impressionné par ce roman. Mm-hmm. C'est plutôt Salammbô qui m'a beaucoup frappé par sa force, sa puissance d'évocation, sa plongée dans l'histoire d'un peuple dont Flaubert n'était pas forcément originaire, mm-hmm. n'est-ce pas? Et donc, tout cet aspect grandiose qu'on trouve dans Flaubert, cette grande richesse poétique aussi, qui m'a vraiment frappé lorsque j'ai lu Salammbô il y a très longtemps, j'étais encore lycéen. Mais c'est une œuvre qui m'a profondément marqué aussi.
Et alors, est-ce que c'est peut-être aussi parce que Salammbô, finalement, c'est le plus oriental, voilà, des livres de Flaubert, beaucoup Peut-être plus que aussi. Madame Bovary, dans le fond. Mais oui, c'est vrai. Oui. Peut-être que culturellement, Salammbô me rappelait beaucoup plus que ce que je suis, peut-être D'accord. mes origines africaines D'accord. aussi. Salammbô est un roman africain, si j'ose dire. Oui, on peut le dire, c'est Ouais. vrai, exactement, tout en étant réaliste. Bon, Saint-Louis du Sénégal est une ville très connue pour sa beauté, hein. Il ne faut pas longtemps pour se promener dans les rues étant quand même ébloui par l'architecture, les couleurs, le soleil, le foisonnement humain, parce que dans une ville ça compte aussi. Vous l'évoquez bien sûr dans vos ouvrages, parce que vous êtes un vrai Saint-Louisien, que ce soit Il pleut sur Saint-Louis, on aura l'occasion d'en reparler, le livre d'histoire que vous avez consacré à cette ville, et en même temps, il n'y a jamais de description, puisqu'on parlait de Flaubert, réaliste, précise et détaillée. Est-ce que c'est un parti pris? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Je ne sais pas si c'est vraiment un parti pris, vous l'avez dit et constaté vous-même. Je suis entré un peu tard en écriture, disons. Hein. C'est à 40 ans que j'ai commencé à vraiment me consacrer à l'écriture de livres, d'ouvrages. Et donc, peut-être que la description des lieux n'était pas ma préoccupation première. Il y avait peut-être du temps à rattraper, je ne sais pas. Il fallait que j'écrive quelque chose tout de suite. Donc, j'étais plus centré sur des thématiques ou sur des histoires, des récits. Donc, je pense qu'instinctivement, intuitivement, j'ai fait l'économie de la description. C'est une des raisons qui me paraissent un peu évidentes. Mais j'aime bien les descriptions. Hein, mais je trouve que ça demande du métier. Je veux dire que la description, c'est peut-être une des parties les plus difficiles dans l'écriture et qu'il faut, je pense, une certaine pratique. Maintenant que je commence à être plus habitué à la pratique de l'écriture, je fais des textes plus descriptifs que les premiers que j'ai écrits. Oui, puis il y a peut-être aussi le risque, comme nous sommes dans une ville, sans utiliser trop d'hyperbole, mythique comme Saint-Louis, que la description fasse un peu touriste, c'est-à-dire que même en la réussissant sur un plan littéraire, d'écrire les couleurs, etc. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez pensé? Vous êtes dit, ça s'est fait d'ailleurs naturellement. D'autres l'ont fait, c'est pas la peine de refaire ça. Qu'est-ce que je vais aller dire que les maisons sont jaunes ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? C'est possible, hein, parce que je pense que la description est un art difficile aussi qu'il faut maîtriser, mais on tombe facilement dans le poncif. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est peut-être instinctivement une chose que j'ai essayé d'éviter. Moi, je trouve que la description, dans l'écriture, c'est un art qu'il faut vraiment maîtriser, hein. Et donc, se lancer dans les descriptions dans un ouvrage ne sert peut-être à rien si on veut à l'essentiel. D'accord. Alors paradoxalement, on a souvent l'impression en vous lisant que votre inspiration, elle vient de choses vues, au sens un peu où Hugo a écrit choses vues, et que s'il y a un réalisme chez vous, il n'est pas un réalisme de la description, mais il est un réalisme de l'observation. Est-ce que ça aussi, vous êtes sensible à ça? Est-ce que comment vous fonctionnez pour enregistrer des images, pour enregistrer des situations pour vos livres? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe d'abord? C'est vrai que je suis plus un auteur de l'observation. Hein. Maintenant que vous le dites et que j'y pense, effectivement, étant dans une société où les contacts humains sont très très poussés, où on est en permanence en relation les uns avec les autres, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, étant très sensible à tout cela, je pense que l'observation, elle s'imposait à moi de facto. Et donc, effectivement, ça se ressent, je crois que ça se ressent très bien dans les textes que j'écris et qui sont souvent aussi des rendus psychologiques, n'est-ce pas? Donc, des observations sur le comportement des gens, etc., sur l'environnement sociétal, etc., etc. Quelle est la place de l'écrivain dans la société sénégalaise contemporaine? Quel impact vous pensez que l'écrivain, de manière générale, a sur la société, surtout dans le moment où on vit, quoi, avec la multiplication de supports de distraction, Internet étant au début de cette chose-là? Bon, d'abord, vraiment, ma première question, c'est quelle est la place de l'écrivain dans la société sénégalaise? Ça demanderait peut-être au préalable une analyse de la société elle-même. Donc, savoir quelles sont les composantes, quelles sont les structures de cette société, son mode de fonctionnement, etc., etc.
Parce que qui dit écrivain dit production de textes, dit littérature, et donc dit comment, réception. Y a-t-il des lecteurs, etc. Y a-t-il un marché et tout cela? Est-ce que cela existe? Ce n'est pas malheureusement le cas au Sénégal et dans la plupart de nos pays, qui sont quand même des pays en, entre guillemets, passez-moi l'expression, en voie de développement. Mm-hmm. Donc, où les bases ne sont pas tout à fait jetées pour créer des sociétés de production intellectuelle et de réception aussi. Hein. Donc, il y a des difficultés pour les écrivains. Ils sont dans leur société un petit peu des marginaux, jusqu'à présent. Mm-hmm. Hein. Moi, je parle pour la société sénégalaise. L'écrivain est quand même un personnage un peu à part. Je ne dirais pas que c'est un martien, mais en tout cas, il fait un peu figure de marginal. Ce n'est pas une activité à laquelle qui permet d'abord de gagner sa vie. Ça, c'est hors de question. On ne peut pas vivre de sa plume, en tout cas en restant au Sénégal et en se faisant publier ici. Et donc, c'est des choix personnels que de se lancer en littérature. Aujourd'hui, ma situation a notablement changé et j'ai pu dire que j'ai réussi à me sortir de la galère de l'art. Je n'ai plus besoin de pratiquer cet art de la galère qui me permettait jadis de survivre. Mes toiles se vendent à prix d'or et je suis invité dans toutes les grandes expositions d'art plastique dans le monde. Je possède une galerie à Paris, une à Amsterdam et j'envisage d'en ouvrir une dans ma propre ville de Ndar, même si je suis conscient que cela sera à fond perdu. Pourtant, je n'ai pas cessé de m'interroger, de me poser les questions que se posent aussi certainement mes confrères artistes. Comment vivre de son art dans un pays où il est payé en monnaie de singe, où les artistes, pour la plupart, patauchent dans la dèche et sont obligés de monnayer leur talent en échange de vives compensations? Comment garder intacte cette flamme, cette envie, cette pureté dans l'acte créateur et continuer de peindre sans dévoyer son propre sens esthétique, ni déroger à cette éthique sans laquelle il n'est pas d'art authentique? Peut-être qu'un jour, des Raphaël ou des Michel-Ange surgis du Bourbier nous en fourniront la réponse. Vous, qu'est-ce qui vous motive pour écrire? Est-ce que vous écrivez pour vous? Est-ce que vous écrivez pour un lecteur? Bon, ce sont des questions éternelles, mais justement, tout ce qui va sans dire va beaucoup mieux en le disant. Mm-hmm. Et juste, quand vous vous mettez à écrire, vous écrivez pour qui? Ben, j'écris à la fois pour moi et pour des lecteurs, et aussi pour explorer, comme je vous le disais tout à l'heure, des mondes aussi, hein, des mondes imaginaires. Peut-être aussi pour faire connaître mon environnement, ma culture africaine, etc. Mais quand j'écris, je n'écris pas pour un public restreint ou précis, je n'écris pas pour des Sénégalais, ou etc. J'écris pour tout le monde. Hein. D'accord. Donc tout, ça peut être d'autant plus que le français est une langue internationale. Donc il est évident que si j'écris en français, ce sera lu par... ça pourrait être lu par des lecteurs de l'Hexagone. C'est quand même une énorme population. Mais je pense plus à ce lectorat que je ne maîtrise pas, qui est un peu diffus dans ma conscience, mais que j'imagine aussi extrêmement divers. Je voulais aussi savoir ce que vous pensiez du rapport du français au Sénégal avec le français en France, si je puis dire. La question de la francophonie, tout à l'heure on parlait des techniques narratives, etc., dans le champ des études universitaires, est devenu un sujet très à la mode. Qu'est-ce que vous pensez du français au Sénégal par rapport au français en France? Est-ce que vous pensez que c'est une même langue, une autre langue, qu'elle apporte quelque chose à la langue? Quel rapport ces langues entretiennent-elles? Le français du Sénégal et le français en France. Mais je crois qu'il y a la langue française en elle-même qui est un tout, n'est-ce pas, qui a un substrat, qui s'est formé au cours des siècles, etc., qui s'est répandu pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais en tout cas qui est là aujourd'hui et qui est devenu pour nous aussi un moyen d'expression, un outil de culture, un outil de production littéraire. Et ma foi, il y a quand même quelque chose qui est commun. Il y a une homogénéité quelque part de la langue, ça c'est évident. Mais au-delà de ça, il y a aussi des spécificités et des différences parce que la langue est parlée dans des endroits différents où il y a des cultures différentes, des manières différentes de l'appréhender. Mm-hmm. Et donc forcément, cela transparaît dans la manière de parler ou d'écrire dans ces lieux différents. Donc, je ne dirais pas
qu'il y a un Français, comment dirais-je, de France. De France, il y a un Français en général, mais il y a tout de même des spécificités suivant les pays où on se trouve. Je pense que la manière dont on parle ou on écrit le français en France, au Sénégal, au Mali, au Bénin ou dans des pays limitrophes où il y a d'autres cultures, portent quand même des marques aussi qui sont des marques d'originalité et d'enrichissement. D'accord. Alors est-ce que vous, si on réfléchit aussi à, en reposant la question au français qu'on parle, à un endroit, etc., est-ce que vous vous définissez comme un écrivain saint-louisien? Est-ce qu'il y a une identité littéraire saint-louisienne à l'intérieur du Sénégal et de cette francophonie dont on vient de parler? C'est une idée que personnellement j'ai défendue. Je pense que quel que soit le lieu où l'on se trouve, il y a une spécificité, une identité. À Saint-Louis, c'est le cas. Je pense qu'il y a une identité littéraire vraiment saint-louisienne parce qu'il y a des auteurs qui sont originaires de Saint-Louis d'abord et qui ont écrit sur Saint-Louis. Mais pas seulement des auteurs originaires de Saint-Louis, des auteurs venus d'ailleurs, qui ne sont pas des Sénégalais, et qu'il s'est, au fil du temps, créé un véritable corpus de textes littéraires qui permet d'identifier une littérature qu'on pourrait qualifier de saint-louisienne. D'accord. Je trouve que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Bonjour, monsieur Camara. Bonjour, Valentin. Pourquoi pleut-il sur Saint-Louis? Oh, Valentin, il pleut sur Saint-Louis parce que son cœur est un jardin où tombent les larmes comme des pétales de rose. Louis Camara, vous avez déclaré « L'écrivain, sans être nécessairement un opposant, doit éviter de flirter avec le pouvoir politique afin de garder sa liberté d'expression, garant de la créativité. En quoi un recueil de nouvelles comme Il pleut sur Saint-Louis répond à cette prise de position? Je le dis et je le pense véritablement que au-delà même de l'écrivain, l'artiste d'une manière générale, doit autant que possible garder ses distances avec le pouvoir pour en effet pouvoir jouir davantage de sa liberté d'expression qui est essentielle dans sa créativité. Donc pour moi, et pour beaucoup je pense, la liberté est une garantie pour la créativité. On n'est pas tenu de rendre compte à qui que ce soit, on n'est lié à personne du point de vue de ses opinions. Et donc, à mon avis, il faut autant que possible que l'écrivain se garantisse cela. Évidemment, les rapports entre les créateurs et le pouvoir n'ont jamais été dans toutes les histoires, hein, dans l'histoire de l'humanité, ont toujours été des rapports plus ou moins difficiles. Mm-hmm. Ça n'a pas toujours été le grand amour. Certes, il y a eu des hommes de pouvoir qui furent également de grands mécènes. On peut penser à certains noms dans l'histoire universelle. On peut penser à César Borgia, au roi Louis XIV, etc. etc. Donc des mécènes, des hommes de pouvoir, des mécènes, il y en a eu, n'est-ce pas? Il y a même eu des hommes de pouvoir qui étaient aussi en même temps des écrivains ou des artistes. Oui. Je pense que le meilleur exemple que je pourrais citer, c'est notre premier président de la République, le père de la nation, si je pourrais l'appeler ainsi, Léopold Sédar Senghor, qui était non seulement président de la République, mais également grand poète devant l'éternel poète, et donc qui a encouragé l'expression artistique et littéraire. Mais ça, c'est quand même des exemples qui ne courent pas les rues. Et donc, l'écrivain a toujours eu à batailler, à ferrailler pour conserver sa liberté, parfois à ses risques et périls d'ailleurs, parfois en se mettant dans des situations dangereuses. En Afrique, les relations sont souvent heurtées entre le pouvoir et les artistes, les créateurs et les écrivains en particulier. Alors, dans mes nouvelles, je pense que j'ai fait usage de ma liberté parce que je jette un regard humoristique, ironique, sans et critique, concession. Sans concession, comme vous le dites, sur le fait politique. Parce que c'est sous le régime du président Abdoulaye Wade, de l'alternance, qu'on a quand même assisté à une censure inexplicable parfois
d'ouvrages, n'est-ce pas? On n'a jamais autant censuré que durant ces 12 années. Donc je pense que c'est quand même des signes assez révélateurs de l'état des relations entre le pouvoir et les écrivains. Mais, alors, voilà. Ça me permet de faire observer que dans votre œuvre, la politique occupe une place importante et vous y dénoncez aussi bien la corruption que l'argent roi ou les inégalités sociales. Est-ce que ces objets de dénonciation sont accrus, selon vous, ces derniers temps? Est-ce que vous avez quelque chose à dire de particulier à ce sujet? Ces travers que je dénonce, je trouve qu'ils sont encore très, très actuels. Mm-hmm. Et peut-être même de plus en plus. Le culte de l'argent roi dans notre société. Voilà, ça, c'est quelque chose de central dans votre recueil. Oui, parce que c'est quelque chose de central dans le fonctionnement de notre société. Mm-hmm. Et je pense que c'est des choses qui de travers. Et d'ailleurs, la façon dont ça apparaît dans votre ouvrage, c'est aussi bien du côté des victimes que des côtés, du côté, entre guillemets, des bourreaux. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, le malheureux là, qui est obligé d'aller chez un oncle ou un frère plus riche. Ou un beau-frère. Ou un beau-frère plus riche et puis qui est quand même pas très généreux avec lui. Mm-hmm. Mais on voit du coup le beau-frère, où on voit, par exemple, des hommes politiques, des directeurs de société nouvellement enrichis et en plus de leur vulgarité, être des personnages humainement peu recommandable. Et ça, vous trouvez que ça représente un petit peu le Sénégal actuel, contemporain? Ça représente en tout cas une certaine bourgeoisie qui a eu pignon sur rue aussi ces derniers temps et qui a toujours existé dans notre pays, mais peut-être moins avec les autres régimes. Mais je trouve que au cours de ces 12 dernières années, il y a vraiment eu des représentants de cette bourgeoisie prédatrice. Et en même temps vulgaire, comme vous le dites, et aussi très peu humaine, qui s'est très peu souciée des souffrances du peuple et qui n'avait qu'un objectif et qu'une seule occupation, c'était de se remplir les poches le plus rapidement possible. Et donc, qui était très éloigné des préoccupations du petit peuple. Et la souffrance a été grande, je peux vous le dire, n'est-ce pas? Un ministre, ça porte quand même des vêtements haut de gamme. Fini donc les vieux vestons élimés aux manches trop courtes ou trop longues. Les chemises de col râpé, les pantalons froissés aux plis incertains. Sa première visite officielle à Paname serait, entre autres, consacrée à l'acquisition d'une garde-robe digne de son rang. Ce n'était pas parce qu'il reniait ses convictions profondes, son goût et ses options pour la sobriété, mais son nouveau statut l'obligeait à changer radicalement ses habitudes vestimentaires. Un ministre, ça ne s'habille pas n'importe où et n'importe comment. Il ira d'abord à Paris, capitale mondiale de la haute couture chez Yves Saint-Laurent ou Pierre Cardin, dont il avait si souvent entendu parler. Bien entendu, il ne se déplacerait plus qu'en voiture et non plus en autobus comme il l'avait toujours fait. Un ministre ne peut prendre un transport en commun. Il aurait donc une Mercedes ou une BMW comme ses autres collègues du gouvernement. Tiens, il pourrait aussi prendre à son service son vieil ami Abdouef, qui était au chômage depuis plus de 10 ans. C'était un excellent chauffeur. De plus, ce serait une véritable bouée de sauvetage pour ce pauvre gars qui se débattait dans les affres d'une misère sans nom, où l'avait plongé lui et sa famille la perte de son emploi à la suite d'un licenciement. Mais de toute évidence, il n'était pas question de faire d'inutiles dépenses de prestige. Cela n'était conforme ni à sa propre philosophie, ni à celle des nouvelles autorités du pays, dont les options affichées semblaient être la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. D'ailleurs, toutes ces têtes qui tombaient ces derniers temps le prouvaient bien. L'heure n'était plus aux phrases qu'au gaspillage, mais au travail. Il était grand temps de redresser l'économie nationale, exsangue, moribonde, et de redonner espoir au peuple découragé et frustré par l'apparente impunité des pillards à col blanc. Votre recueil s'appelle « Il pleut sur Saint-Louis ». Est-ce que c'est un titre du coup pessimiste? Non, je dirais pas vraiment pessimiste. La pluie, vous savez, c'est un symbole. J'aime beaucoup les symboles et la symbolique en général. Et donc, souvent, je choisis mes titres en fonction des symboles. Et la pluie, pour moi, c'est un symbole ambivalent. La pluie apporte de la fraîcheur, elle régénère la terre, etc. Mais en même temps, elle peut être aussi destructrice. Bien sûr. Donc, il y a les deux aspects. Et donc, pour Saint-Louis, je pense qu'il y a cette pluie bienfaisante aussi, n'est-ce pas, pour le Sénégal, d'une manière générale. Quand je dis « il pleut sur Saint-Louis », en fait, c'est, vous le comprenez, c'est pour l'ensemble de la nation, l'ensemble du pays, Saint-Louis représentant
peut-être un terroir un peu particulier du point de vue de son histoire, etc., de la représentation que l'on s'en fait dans le pays. Mais enfin, la pluie, comme je l'ai dit, elle est ambivalente. Elle peut être rafraîchissante, mais elle peut être aussi apporter de la destruction. D'accord. Et des malheurs. Et donc, il faut savoir se situer, faire la balance entre les deux. D'accord. Mm-hmm. Alors, votre recueil « Il pleut sur Saint-Louis » présente un certain nombre de nouvelles qui se déroulent donc ici. Pas toutes, certaines se déroulent à Dakar. Et est-ce que la ville de Saint-Louis vous semble une bonne synthèse du Sénégal dans ses beautés comme dans ses difficultés? Tout à fait. Je crois qu'un voyage à Saint-Louis, pour quelqu'un qui ne connaît pas le Sénégal, peut vraiment constituer une synthèse en soi de tout ce que l'on peut trouver de beauté, comme vous l'avez dit, et de choses moins belles dans l'ensemble du Sénégal. Mm-hmm. Et il ne faut pas oublier que Saint-Louis a été quand même la capitale du Sénégal, bien longtemps avant que d'autres villes soient créées. Donc c'est la première ville au sens moderne du terme du Sénégal, mais qu'en même temps, elle ne s'est jamais coupée des racines africaines. C'est une ville qui est toujours restée très profondément africaine. Mm-hmm. Et donc, on trouve toutes les composantes ethniques du pays ici. C'est aussi un melting pot. Saint-Louis est une ville de métissage. C'est une ville frontalière. Nous sommes à la lisière du désert. Donc, nous avons nos voisins mauritaniens qui sont derrière nous. Et c'est aussi... en quelque sorte la porte d'entrée de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique noire, comme on dit communément. Et comme, voilà, il y a toutes les composantes du Sénégal qui se retrouvent à Saint-Louis. Et je pense que c'est vraiment une ville très représentatrice. D'accord. Alors, vous écrivez à la page 8 de la nouvelle « L'art et la galère ». Comme tous mes concitoyens, enfin ou presque, je menais à Endar une vie de chien et bouffais de la vache enragée. Ainsi que pour presque tout le monde, la vie était dure pour moi. Est-ce qu'il est vraiment si difficile de vivre à Saint-Louis? Vous savez, les astuces, les hyperboles des écrivains aussi, évidemment, on force un peu le trait, mais pour dire, en fin de compte, que la vie n'est pas toujours facile, non seulement à Saint-Louis, mais d'une manière générale au Sénégal et peut-être même en Afrique aussi. Tout le monde sait les difficultés économiques auxquelles sont confrontés nos États, ils sont fragiles et donc cela se répercute sur la vie du citoyen ordinaire, n'est-ce pas? Tous les jours, il faut aller à la recherche de la pitance, je dirais. Il y a un mot très spécial, je ne sais pas si je l'ai employé dans mes nouvelles, c'est la décu, la dépense quotidienne, c'est un mot qu'on emploie comme ça, c'est-à-dire que tous les jours, on est contraint d'aller chercher la nourriture pour la famille. Parce que tout le monde ne reçoit pas un salaire. Il y a une toute petite fraction de la population qui bénéficie des avantages de la fonction publique, la portion congrue. Et donc, l'écrasante majorité vit dans ce qu'on appelle l'informel. Et donc, la vie est souvent difficile. Ceci dit, on a l'habitude de dire quand même qu'à Saint-Louis, la vie est plus douce parce qu'il y a un climat plus agréable. Nous avons le fleuve, nous avons la mer. Il y a des ressources halieutiques, on peut se nourrir assez facilement de poissons à Saint-Louis. Et donc, les Saint-Louisiens, en général, trouvent que la vie est belle chez eux. D'accord. Alors, on peut dire que vous êtes un intellectuel dans la mesure où vous ne vous contentez pas de penser, mais que votre pensée se retrouve, et votre pensée critique par rapport à la politique se retrouve dans vos ouvrages. À ce titre, on ne peut manquer d'évoquer les récentes élections au Sénégal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous avez pensé et de ce qui s'est passé? De ce qui s'est passé, j'ai eu peur, comme tout le monde. D'accord. À un moment donné, nous pensions, nous avons frôlé le pire. Mm-hmm. Oui, nous avons frôlé le pire. Ça aurait pu basculer. Mais fort heureusement, peut-être que le Sénégal est un pays béni des dieux, comme vous l'avez dit. Nous nous sommes retrouvés comme un chat sur ses pattes et... tout s'est passé le mieux du monde possible. Il y a eu une alternance démocratique, mais il faut reconnaître que cela a coûté de la souffrance, beaucoup de, du sang. Et, il y a eu quelques morts, oui, quand même. Pour paraphraser Winston Churchill, mm-hmm. il y a eu du sang. Le sang a coulé, des larmes, de la souffrance, qu'on aurait quand même pu s'éviter
en respectant davantage le jeu démocratique et en se conformant davantage à ce que disait la Constitution et les règles qui régissent notre pays. Alors, qu'est-ce qui explique que dans une Afrique souvent agitée, il n'est que de penser au Mali, hein, la situation va quand même de se dégrader, le Sénégal soit, et je vous cite en disant ça, le seul pays d'Afrique qui n'a jamais connu de coup d'État militaire et qui, oui, c'est ça, on peut reprendre la métaphore du chat, qui, comme le chat, retombe un peu toujours sous ses pattes. Et c'est une réputation internationale, c'est-à-dire que même en Europe, on dit « Ah, mais le Sénégal, c'est particulier, c'est une très bonne démocratie, elle est très installée ». D'où vient que dans cette Afrique agitée, le Sénégal, lui, semble être une zone de stabilité, sinon imperturbable, du moins qui se régule assez vite. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons et de paramètres qui expliquent cela. D'abord, depuis que le Sénégal est une république démocratique et laïque, c'est bien entendu. La première république dirigée par le président Senghor et des hommes politiques de grande valeur qui ont été formés à la politique française. Beaucoup ont évolué dans les partis politiques français. Il y avait le président Mamadou Dia, par exemple, le président de l'Assemblée nationale, Lamine Gueye. C'était des hommes d'une grande envergure politique et qui avaient des visions. Et le président Senghor, avec toutes ses équipes, même s'il y a eu des heurts entre eux, ont quand même réussi à jeter les bases d'un véritable État moderne, démocratique, dans un petit pays pour sous-développer avec des féodalités encore présentes. Mais il a réussi à quand même mettre sur pied une république assez particulière, n'est-ce pas, en créant des équilibres, en mettant sur pied une administration et une fonction publique assez performante, avec des hommes de qualité aussi. Ça, je pense que c'est une raison. L'armée du Sénégal a toujours été une armée très républicaine, avec des officiers de grande valeur formés dans des grandes écoles et qui est d'ailleurs reconnue comme étant l'une des meilleures armées du continent africain, donc très républicaine, qui a été toujours soucieuse de respecter les équilibres et qui ne s'est jamais immiscée dans la politique. Donc qui n'a jamais été tentée par les coups d'État, etc. Même, oui. Il y a eu par-ci, par-là, quand même parfois quelques dérapages, mais enfin, ce n'est jamais allé trop loin. Il y a aussi, je pense, des bases sociologiques inhérentes au peuple sénégalais. Le peuple sénégalais, d'une manière générale, a réussi, je pense, à résoudre certaines problématiques négatives qu'on trouve dans d'autres pays. Par exemple, au Sénégal, le problème ethnique, comme on dit, n'existe plus depuis longtemps. C'est un problème qu'on a dépassé. Au Sénégal, il n'y a pas d'opposition entre les ethnies. Les gens se marient entre différentes ethnies, de toutes couleurs, de serrées. Il y a même des mécanismes de régulation, par exemple ce qu'on appelle le cousinage à plaisanterie, entre certaines ethnies, entre les familles. Le problème des castes, qui était un problème assez douloureux, assez difficile, est en passe d'être résorbé. N'est-ce pas? En tout cas, tout cela réuni fait que le Sénégal avait réussi à se présenter comme une sorte d'îlot démocratique au milieu de toutes ces républiques qui l'entouraient et qui étaient sujettes à des dictatures militaires, à des coups d'État récurrents. Mmh. Et aussi, le Sénégal, je pense, jouissant de cette bonne réputation, de cette aura internationale, a pu bénéficier d'un sérieux appui de la part des bailleurs de fonds qui ont reconnu qu'il y avait une stabilité, et donc qui injectaient beaucoup plus facilement, ce qui a pu créer un tissu économique quand même assez remarquable. Propice à la démocratie. Propice à la démocratie. D'accord. Qui a été un peu perturbé, mais je pense qu'il va reprendre. D'accord. Je suis optimiste en tout cas. Bonjour, monsieur Camara. Bonjour, mademoiselle. Où va Saint-Louis? Saint-Louis file vers l'avenir, mademoiselle.
Saint-Louis va vers le grand pays où régneront l'amour et la fraternité entre tous les peuples du monde. Voilà où va Saint-Louis.